Bonjour à tous, nous rentrons dans la fin de la septième semaine de confinement de cette crise sanitaire. Suite aux annonces du président de la République et confirmées par le Premier ministre, vous savez que nous préparons maintenant le déconfinement progressif à partir du 11 mai prochain. Concernant le port des masques en tissu, la ville a procédé à la commande de 20 000 masques en deux commandes de 10 000, de manière à ne pas mettre les œufs dans un même panier vu les incertitudes de tension des commandes en cette période particulière. Et 10 000 premiers masques devraient nous être livrés avant le 11 mai. Nous procéderons donc à une première dotation d'un masque en tissu par foyer, par courrier postal via un contrat spécifique et qui vous permettra déjà d'avoir une première protection et ensuite de venir chercher le nombre de masques manquants pour le foyer, adultes, lycéens et collégiens en particulier, dans un lieu qui vous sera précisé. Vous aurez d'ailleurs dans cet envoi une lettre d'explication sur l'utilisation du masque et un certain nombre d'informations pour pouvoir récupérer les autres masques. Concernant la reprise scolaire du 11 mai, nous travaillons d'arrache-pied avec les services, avec les représentants de l'éducation nationale, avec les représentants de l'État pour définir les conditions particulières de cette reprise et du déconfinement. Et nous enverrons une lettre spécifique à tous les parents d'élèves avant la reprise du 11 mai par courrier dématérialisé. Et nous donnerons aussi, bien sûr, un grand nombre d'informations sur le site de la ville ou sur le Facebook Live de la ville qui a lieu tous les jeudis à 17h et que je vous invite à rejoindre. Et puis pour finir, une bonne nouvelle, puisque notre marché du sang sera désormais ouvert tous les vendredis. Ce sera donc le cas pour ce vendredi 1er mai. Vous pourrez retrouver vos commerçants habituels ainsi qu'une fleuriste pour pouvoir acheter votre muguet. Voilà, suivez bien en tout cas les informations sur l'ensemble des réseaux et du site de la ville et à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.